même pas m'approcher tellement c'est violent. Regardons cette carine là. Bien les îles en face. Et puis Molène là-bas et Wesson. Wesson devant. Vous connaissez la marche afghane? J'apprends pour retrouver mon vrai souffle à moi. J'apprends, je suis très novice. C'est pas si facile. C'est une marche rythmique avec. Un, deux, trois, je reste en suspension. Un, deux, trois, je reste en suspension. Voilà, et paraît-il que c'est excellent pour retrouver une bonne oxygénation, un bon souffle, une bonne respiration. Voilà, donc j'apprends. Je crois qu'on est pas très loin de notre maison. Et bien heureusement qu'on dort pas là. Hein. Parce que la maison est penchée. Hein. Très penchée. Mon Dieu. Alors, il y a peut-être une belle vue. De ces âmes ici. Ah ouais.
Ça y est, grosse balade, c'était bien. Et on m'a conseillé cette marche récemment. Et ça me semble effectivement être quelque chose de très intéressant et de très bénéfique. Sauf que pour le moment, très honnêtement, ben j'y arrive pas trop. Donc voilà, je suis novice, hein, j'apprends. Et voilà, parce que j'ai toujours tendance à m'étouffer. Moi, je me respire trop en haut de mes poumons. Donc c'est pour m'apprendre à... Voilà, vous savez tout. Et la gente qui passera, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et la gente qui passera dira, oh che bel fio. E questo il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E che sto il fiore del partigiano morto per la libertà. Un petit chien que je connais. Et donc tu veux le manger ici? Il est gros, hein? Mais toi t'es toute petite au milieu du sable, mon Dieu. Toute petite Lily Joy. Quand même, hein. On a coupé les cheveux aujourd'hui. On a coupé les cheveux à Lily Joy. Elle est belle. Hein. Elle est belle, Lily Joy. Ouais. On s'en fout d'être belle. Moi, je veux jouer avec ce truc. Okay. Ah, d'accord. Ok. Voilà la maison. Elle est où la maison? Elle est où la cabane? Ah, c'est la cabane à nous, elle est où?
Allez, c'est parti, on quitte la dune. Un petit phare, deux petits phares de l'île Vierge. Bon ben voilà. Pour mes tortelles, j'ai bravé les éléments. Parce qu'il y a beaucoup de vent. Là, je suis un petit peu abrité. Mais ça valait le coup. Le soleil manque, mais même comme ça, c'est beau quand même. Magnifique. Donc, ouais, voilà, très bien. Voilà, c'est ton côté là à droite. Ouais, bien comme c'est bio, comme c'est bio. Alors, bah je reprends la marche afghane, again. Dès que je peux, que je marche, je fais une petite séquence. On n'est pas obligé de le faire tout le long de la promenade, bien sûr. Mais soit on se donne une distance, je me dis je vais de là à là en marche afghane, soit je me donne un temps. Moi, je me donne plutôt une distance. Et voilà, ça a pas mal de bienfaits. Je suis toujours novice. Hein. J'ai du mal à ne pas me suroxygéner. Voilà, dès que j'arrive au fond de ma respiration, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à je me sens en panique en fait quand je suis au fond de ma respiration, que j'ai plus d'air. C'est très marrant. Enfin, c'est très marrant. C'est à rééduquer en fait. C'est une rééducation du souffle et du rythme de la marche par rapport au souffle. Enfin voilà, je vous en dirai plus quand je serai un peu plus acclimaté, parce que c'est vraiment le début. Hein. Je démarre une nouvelle discipline que je ne connaissais pas. Là-bas, mon chéri, il y a ses âmes. Et je n'ai fait que marcher. Mais c'est du sport, la marche.
Et je m'y remets doucement, parce que c'est vrai que depuis que j'ai fait la cabane, j'étais dans le hangar, dans le Jura, j'ai pas foutu grand-chose, ou quasiment rien d'ailleurs. Mais je commence à m'y remettre. Alors je souffre un peu, parce que, évidemment, ça fait longtemps que j'ai pas marché. Donc voilà, j'essaye de retravailler mon souffle. Et sur des conseils d'une personne avisée quand même, qui m'explique un peu tout ce que je dois faire pour ma remise en route, et notamment la marche afghane. Donc je vous invite vraiment à essayer ça. Là, c'est la troisième marche que je fais, où j'essaye la marche afghane. Et c'est la première fois aujourd'hui où j'arrive à trouver le début d'un rythme. Et c'est assez rigolo en fait. Faut le prendre comme quelque chose de rigolo, une expérimentation. Et ça fait du bien, ça recale, ouais, ça recale des choses. Certainement à long terme, là pour le moment, je reprends mon souffle. Et voilà, et donc moi j'ai un beau terrain de jeu ici en Bretagne évidemment, avec les sentiers côtiers et même les petites routes dans les villages ou dans les campagnes, c'est toujours très joli. Mais je suis sûr que près de chez vous, vous avez aussi des endroits sympas pour marcher. Puis si c'est la ville, ben c'est la ville, hein, c'est pas grave. Donc je vous invite à essayer tout ça. Bon, voilà, ça c'est fait. Et pour vous dire que la marche c'est quand même du sport, parce que je transpire, ben ouais. Et c'est voilà, et on est fait pour marcher en fait. L'humain est fait pour marcher. Patrice, t'es redescendu à la maternelle? Tu fais des petits carrés? Et qu'est-ce qui se passe? Oh, comme c'est mignon! Lala. Comment ça s'appelle ça? Des queues droites. Des queues droites? Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Et t'es fier de toi? Ah bah. D'accord. C'est pour moi qui ai inventé le nom. Bon. Tiroir numéro 2. Tu veux faire du barbouillage? Bon, là, on a pour 2 heures d'essayage. Un essayage d'assemblage. Et là, tu vois que ça va pas du tout. Ah il, ouais. Il rentre pas. Ok. Et donc, du coup... Rap, petit Patrice. Ah ouais.
Ouais, ouais. Voilà, va chercher. Roulette. C'est une fleureuse. Une quoi? Une fleureuse. Une mini défonceuse, si tu veux. D'accord. Oh là là. Et ça fait un joli petit bois. Non, en fait, t'as une fraise à 45 ici. Ok. Et du coup, il rentre dans le trou. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Yes, mais on va beaucoup mieux. Et le tiroir. Yes. Et la façade. Ça marche pas si mal. Hein. Et de la pyro dans l'air. Tiroir numéro 2. Oh yeah. Voilà, tiroir rempli. Voilà. Il me reste à pyrograver la façade avant et puis installer des poignées. Voilà, parce que pour le moment c'est un petit peu pas fastoche à pousser, tirer. Donc ça va être fait dans la foulée. Mais sinon c'est nickel. Merci Patrice! Sublime, c'est dingue.